Et cucu, on se retrouve de nouveau dans la famille Pridelton, épisode 22. Et ouais, ça commence à faire long cette histoire. Oh là là, ça pleure. On retrouve la petite Abigail qui est la première née de Andrew et Amalia. Notre Bianca qui est née la dernière fois, la petite biche. Et ça a été un peu la surprise d'avoir une deuxième fille. Et tout va bien. En tout cas, tout le monde dort. Tout le monde va bien. Vu qu'on est encore en hiver, le jour 2 sur 7, on a encore une bonne semaine à passer à faire les foyers, autant notre foyer principal que les foyers des enfants qui sont mariés. Quant à l'arbre généalogique et les petits-enfants de Lady Juliette Bridleton, eh ben ça en fait 7, hein. Voilà, ça commence à faire pas mal. On a le Archibald, le fils de Darla qui est devenu enfant. Bess qui n'est pas encore bambine. Du côté de Darla, Andrew, ben, on vient de les voir. Du côté de Charles Wout, non. On est sur Bryce, on a toujours Barbara et Edward. Normalement, ils devraient grandir, hein, je pense, les deux là. Et la dernière, Madeleine Welton, hein, la fille de Eleanor et d'Alex. Oh là là, rien ne va plus, commence à neiger à Enford. Eh ben, dis donc, on va pas pouvoir beaucoup sortir. Oui, madame? Ah oui, c'est la majordome. Oh, ça va être le jour des factures, on n'a pas d'argent. Ça va être affreux. Oh là 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 là, ça pleurniche, ça pleurniche. J'ai vendu des petites merdes que tout le monde avait dans son inventaire. Par exemple, les broderies, tout ça, quoi. Ah bon, ça va, la majordome va aller s'occuper des enfants. Voilà l'ambiance de la chambre. Magnifique. Voilà l'ambiance chez les parents. Ouais, clairement, je préfère cette ambiance-là. Eh, c'est une blague, elle s'occupe pas du tout du bébé. Tu peux venir t'occuper de ta fille, parce que là... on va la perdre, sinon la gamine. On va vraiment la perdre. À l'été, serré dans les bras, parler. Ouais, dépêche-toi parce que la majordome, elle va pas se bouger. J'ai rajouté une micro salle d'eau ici dans la chambre, cachée ici par un petit mur, histoire qu'ils aient un petit peu d'intimité et puis surtout qu'ils puissent voilà, se laver et aller aux toilettes assez rapidement dans leur chambre. Ouais, là, on est bien. Elle s'occupe bien de ses enfants. Hein. Ah, et la petite, elle va pouvoir dormir aussi maintenant. Quoi, t'es énervée, Heather? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah elle est légitime. Bah, ça faisait longtemps. Wesh! Mais la gamine, comment elle hurle? Merde. Oh, c'est bon, ferme-la, wesh. Oh là là, merde, hein. Oh, ça suffit. Quel enfer, ces gosses, mais quel enfer. Mais au secours, quoi. Pourquoi on est obligé de pondre des gosses dans les Sims, en vrai? Hein? Franchement. Ah bah, Andrew, il s'est levé aussi. Il y a tout le monde qui se lève, là. Vous êtes... il est même pas 6h du matin. Hein. Oh bah, comme ça, vous serez couché tôt, au moins. Bah, oh mon Dieu, c'est dégueulasse, le truc. Ouais, au moins, tout le monde peut manger quelque chose, parce qu'ils ont un peu la faim, tout le monde, là. Quoi, Andrew, tu t'es mis à côté de la table pour parler à ta femme alors que t'étais en face? Bon, on va faire une opération pognon, hein, aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que tout le monde va travailler pour essayer de gagner de l'argent, parce qu'on pourra pas jamais payer les factures, sinon. On est monté à 30 000, mais la facture qu'on va se prendre sur le coin de la tronche, ça va être 40 000, hein. Donc, oh merde, les gamines, elles vont à l'école. Oh, ça, c'est chiant. On avait une petite toile qui traînait ici. On va faire des points de croix. Je vais mettre notre petit George à la peinture. Comme ça, elle est partie à l'école. Et ben, on va commencer petit et on va vite gagner des sous. Enfin, du coup, j'espère. Opération pognon. Allez, Lady Juliette. On y va à la broderie, le point de croix, tout ça. C'est parti. Vous adorez ça. Et ben, let's go. En plus, ben, il fait tout neigeux dehors. Pas grand chose à y faire. C'est vrai qu'on a certes un petit portrait qui pourrait nous valoir quelques euros. Magnifique première toile. Allez, 63 sims, je vous en ai gagné 10. Tu vois, tu commences déjà à t'améliorer. C'est parti pour une deuxième. Allez, allez, allez. On travaille. Oui, 13 000, 43 000. Bon, bah, on peut payer la facture, mais alors derrière, on est pauvre. Je vous le dis direct. Hein. 13 000 du Nodan Bridleton. Les confidences de Lady Whistledown. Hélas, cher lecteur, je m'ennuie ces derniers temps. Bah écoutez, super, tant mieux, il n'y a rien à dire. Pas de scandale, parce qu'en fait c'est l'hiver, il n'y a pas de balle. Elle passe sous silence l'histoire d'Eléonore, tout va bien. Oh non, voilà la facture. Aïe, aïe, aïe. Combien? A priori, on devra quand même 43 887. On a 43 500. Voilà. Cette deuxième toile, 101, oui. Ça, c'est bien, ça. Allez, on va passer aux choses beaucoup plus sérieuses. Une toile classique à 100. Vas-y, George. J'ai confiance en toi.
Le point de croix niveau 4 pour Amalia. Oula, ce serait pas un peu le souk ici, entre les couches sales? Mais pourquoi elle s'occupe pas de mon bébé? Mais c'est pas vrai, hein. C'est terrible, ça. Elle s'occupe pas du bébé. Tu vas faire la tournée des nichons, ma petite Amalia, parce que... Oh bah non, la petite, elle s'endort maintenant. Oh oui, mais elle a faim. Tu la réveilleras après. Tu feras pas de point de croix, c'est pas grave. Tu en feras après, c'est pas un souci. Et tu pourras l'allaiter, hein. Parce que, clairement, là, il y a un manquement. Je veux bien rappeler encore une fois comment ça s'appelle, la nourrice, là, la nounou, mais elle s'en occupe pas non plus de ouf. Hein. Lady Juliette, est-ce que vous pouvez réévaluer de nouveau les portraits signés par les deux Saint-Paul? Peut-être que, voilà, ils sont à 600 balles, c'est pas dingue. Est-ce que c'est mieux? Peut-être qu'on pourra les vendre. Et celui qui vaut le plus de sous, c'est cet art-là, est 4008. Ça nous sortirait d'un peu de la panade, mais c'est pas encore ça. Et l'autre petite, elle repleure, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh non, mais les trucs de deux... Les portraits des deux Saint-Paul, ils ont été dévalués à 300. C'est vraiment pourri, en fait. Bon, après, on n'a pas encore de facture, officiellement. Donc, c'est pas de facture. Pas de facture, hein. Pas de palais. Pas de palais. Lady Bridelton qui fait exprès de se piquer le doigt pour pas reprendre ses trucs, là. Casse les pieds, elle, hein. Elle veut la ruine de la famille, hein. Magnifique, cette toile. Oh, voilà. T'es une star... T'avais pas déjà ton étoile, toi? Bon, bah, let's go. Oh, druide de retour! Oh, bah, c'est super, ça, mon grand. Bah, écoute, on n'a pas reçu les factures, qui est plutôt une bonne chose. Tu peux peut-être jouer aux échecs pour te remonter le divertissement au lieu de t'extasier sur la famille royale. On avait une toile, là. Voilà. C'est Bryce qui l'avait faite. Ça remonte à un moment, maintenant. Ouais. Mon club de théâtre commence dans 30 minutes. Et un A pour Face et un A pour Heather. Mais c'est super. Et elles ont un projet scolaire. Et ben, on va projeter scolaire, alors. Allez, tout va bien, les filles. On rentre. Elle est magnifique, hein, quand même, notre petite Face. Mais c'est pas vrai que ça chiale encore ici? Mais merde, hein! Et Bianca, on va te foutre dans le mur. Attends, attends, mais mamie. Quoi, toi, t'y vas? Toi, tu vas y aller. Attends, mamie. Lady Bridgerton, s'il vous plaît. Elle y va! Mais je suis étonnée. Mais surtout qu'elle ne pouvait pas faire ce moment des fesses, mais c'est pas grave. Allez, tu vas la serrer dans les bras et tu vas la bercer. Ça va lui faire du bien. La petite, elle peut jamais dormir parce que sa petite sœur, elle fait que gueuler. C'est n'importe quoi. Punaise, par contre, elle s'endort direct. Hein. Je pense également qu'à la fin de l'épisode, je ferai grandir Bianca. Comme ça, on pourra voir sa petite bouille... Et on fera grandir la prochaine fois Abigail qui deviendra Bambine. Allez George, tu es en retard, tu peux y aller, on te libère. Compétence 5 peinture pour son club de théâtre, il va y aller et puis il reviendra plus tard. Hein. Comme Lady Juliette, Amalia s'est piqué le doigt, donc bah, elle veut plus faire de point de croix. Donc on va aider les enfants à faire leurs devoirs. Bon allez, arrêtez de papoter. Tu t'es remonté, toi tu vas aller vendre la toile de Bryce dans le jardin. Et on va essayer d'avancer comme ça. Ah, Lady Juliette, elle peut de nouveau faire du point de croix. Donc, bah, on va en faire. On peut même pas encore payer les factures. C'est vraiment super. De toute façon, je parle de factures, mais on n'en a pas de factures. On les a pas reçues. Vengeance contre l'improviseur. L'improviseur n'aime pas la nouvelle chorégraphie qui a été ajoutée au spectacle et demande au club de ne pas l'utiliser. Le club va vandaliser sa maison pour se venger. George doit-il prévenir l'improviseur ou aider le club à massacrer ses orchidées adorées? Ah non, non, non. George, il est trop sérieux, hein, donc on va prévenir l'improviseur. L'improviseur a adoré le fait que George la prévienne et... sauve ainsi ses précieuses orchidées. Les membres du club de théâtre sont furieux, mais comprennent. Par contre, ils ne partageront plus aucun secret avec George. Ce dernier améliore sa performance. Oh, le pauvre bichette. George, il est revenu. Ah bah super, bah tu peux reprendre ta toile alors. Ah, il était promu au poste de réciteur de réplique. Ah, bah c'est super. Tout le monde va se mettre au point de croix, hein, moi je vous le dis. Hein. Après qu'elles aient fait leur truc là, et ben c'est... tout le monde en fait. Hein. Maintenant, ils veulent réagir à la première neige. Je lui aurais pas demandé. Oh là là. Casse-coucougnette, hein, je vous dis, moi, c'est Sims, là. Ah, les bébés qui pleurent, oh, plaisir. J'ai changé Bianca de place parce que elle hurlera toute seule dans le bureau. Avec pas peu de chance, ça va cramer. Parce que, clairement, j'en ai marre qu'elle réveille sa sœur. La pauvre, elle peut jamais dormir, quoi. Oh non, bichette. Wesh, mais les gamins, comment ils hurlent et tout. Ça va vraiment pas bien, les Sims. Hein. Vous avez des problèmes dans votre tête, hein, pour nous faire souffrir les oreilles comme ça. Hein. Vous êtes mauvais, hein. T'as pas l'air de kiffer le point de croix, Face. Si, un petit peu. Ouais, enfin, t'es pas ouf. Hein, t'es... Et elle passe sa tête à travers. Voilà, super. Après, tu pourras quand même aller aux toilettes, te restaurer. C'est déjà ça. Il est 20h. Hein, la journée est passée d'une vitesse. L'objectif pognon est toujours pas vraiment rempli, quoi. Bon, on est à 43 100. On en a moins que tout à l'heure. Père toile qui vaut 213. Aussi, il y en a marre. Il s'ennuie et tout. Je suis en train de les torturer. Mais ouais, mais je les torture qu'aujourd'hui. Parce que demain, on va aller chez... Bryce. Comme ça, ils pourront se reposer.
Vous ne l'avez pas demandé, mais le spectacle Andrew dans sa baignoire est quand même bien. Je sais qu'il y en a qui préfèrent Daichi, mais faut laisser la chance à cette nouvelle génération de Sims. Et à ce toison incroyable. Il est déjà niveau 6 de peinture, Georges. C'est un cadeau, le mec. Hein. Il a gagné je sais pas combien de points en une journée. Ah, Ezer a enfin terminé son projet scolaire, bichette. Bah, elle était toute seule à le faire, hein, donc compliqué. Entre deux Lady Bridleton, comme c'est mignon. Ça discute, ça fait connaissance. Tant que ça se drague pas. Eh, hey, mais je dis ça, mais regardez-là. Il y a de la barre de love, mais ça va pas bien du tout, premier baiser. Non, mais... Oh, alors, mais... Non, mais moi, j'en peux plus, en fait. Je n'en peux plus de ces Sims-là. Il se passe quoi, en fait? Vous avez votre propre vie? C'est censé être moi qui dirige le truc. Je comprends qu'il y a une autonomie, mais quand même, ça va pas du tout, en fait. Et elle pleure encore. C'est infernal. Il va être minuit. Oh là là, tous les enfants se mettent à gueuler, c'est génial. On va vendre ce qu'on peut vendre. Et c'est tout. Oh, Darla! Bah oui, Dag-Dag, mais tu te pointes à minuit et quart, meuf, en fait. C'est pas une heure, hein. Oh là là, j'ai réveillé Andrew. Bah oui, t'as faim, c'est pour ça que je te réveille. Et il a une beubare. Laisse tomber la neige. Putain, par contre, c'est crade ici. Mais que font les domestiques? C'est un bordel. C'est pas possible. Ah bah, elle fait à bouffer. Bah oui, mais meuf. Mais regardez, ma Darla, c'est Agnès. Ah oh oui, c'est la fille d'Andrew. Et tu l'embarques pas avec toi, hein, et sois pas jalouse, hein, t'en as aussi, hein, des enfants, toi. Alors, l'heure du dîner, presque 2h du matin, tu vas pas être couchée parce que, devine, on a encore un bébé qui hurle, mais c'est super chiant, je vous jure, je ne la supporte plus. Et puis, c'est très bien, tu vas la changer, tu vas la gazouiller, la serrer dans tes bras, et tu vas la faire grandir pour voir à quoi elle ressemble. Et Darla qui a l'autre petite qui hurle dans les bras. Oh là, comment elle va, Bianca? Allez, on va la faire grandir. Allez, Bianca. Toi, rousse, Bianca. Eh non, elle est brune. Oh, zut. Bon, c'est pas grave, on en refera d'autres. Hein, jusqu'à temps qu'on a des roues. Hein. Vous connaissez mon amour pour les roues. 1, 2, 3. Elle est bleue. Bianca est bleue. Oh là, et lui se barre. Tranquille. Regarde ta petite fille, Amalia. Oh là là. Vas-y, prends-la dans les bras, Bibiche. Comme ça, on va la voir avec sa petite maman. A voir à quoi elle ressemble. Oh, putain, j'ai l'impression de voir tout son père. Donc, c'est une petite brune aux yeux verts. Elle a les yeux de maman et les cheveux de papa. Par contre, elle a déjà une calve. C'est pas dingue du tout, mais qui sont mignons. En tout cas, je vais les laisser là où ils en sont, les Bridleton. Et puis, on va rejoindre d'autres Bridleton. On va rejoindre Bryce. Et c'est à Brightchester qu'on retrouve Bryce et Sarah Crester. Punaise, Bryce... Crester, Brightchester. C'est drôle ça quand même. Vous trouvez pas? Non. Les retrouvailles avec leur petit bébé. Le petit Edward est devenu un petit nourrisson. Quel plaisir. Est-ce que... Attends, comment il va? Il a faim? Ok, tu peux déjà essayer de l'allaiter, le bordel là, le truc. Il aurait dû être nourrissant depuis un moment, mais je viens juste de le mettre. Et puis après, tu le mettras au lit. Avec Barbara, qu'on fera grandir en tant qu'enfant, je pense, aujourd'hui, comme ça, il y aura toujours une différence d'âge entre les deux. Et ce sera plus logique aussi, parce que là, comme j'ai stoppé l'âge, je suis obligée de les faire grandir un à un petit peu comme ça. Bah alors, Bryce, oh, mais c'est qu'il a un petit peu de poils, mon petit chou. T'es beau, mon Bryceou. Allez, vas-y, tu vas faire un petit pipi. Ah, bah attends, tu feras des mamours à ta femme plus tard. Et on va aller faire, voilà, elle s'occupe du bébé, donc forcément... Vous n'avez pas de domestique, vous. Vous pourriez, hein, parce que vous avez encore quand même de l'argent en avance. Voilà un petit peu le petit Edward, hein. Donc un petit brun, comme sa maman, avec des yeux verts. Je vois tout son père, je vois tout Bryce, malgré tout. Voilà, puis il hurle, pour votre plus grand plaisir. Tout va bien, Brightchester. Tout va bien. Surtout quand les gamins dorment. Bah, il faut ce qu'il faut aussi. Est-ce qu'ils sont mignons, nos amoureux? Toujours pas d'ombre au tableau pour eux, hein. Tout va bien. Ah hein. Oui, si, Bryce, tu dors. Allez, Bryce, tu fais quoi? Tu dors. Non, mais dis donc. Il est 6h du matin, c'est pas grave, on aura une petite journée, mais au moins... Ah oui, d'accord, oui, il faut qu'il travaille. Oh, effectivement. Allez, bah, vas-y. Oui, ça va, t'as 10 minutes de retard. Tant que tu descends, ça fera une heure de plus, mais c'est pas grave. Oh là là, le petit queue de pie rouge.
magnifique. Ouais, wesh, on va se retrouver qu'avec Sarah et les deux gamins. Ça va être un petit gameplay un peu simple. Hein. Et voilà, ça se réveille dans la maisonnée. Et Edward également. Et Edward va gueuler, mais bien sûr, mais quel plaisir, mais quel bonheur dans chacune des baraques, il y a un gamin qui gueule. Oh, quelle idée que je vais faire des gosses moi aussi, je suis un peu folle sur les bords. Alors on a quand même les moyens de se payer une domestique, donc c'est la même qui vient que chez les Bridlton, donc ça me fait rire. Et puis Sarah, tu vas pouvoir quand même servir le brunch. Voilà, histoire de nourrir ta petite famille. En tout cas, te nourrir toi et ta fille. J'avais oublié le chat. Ah oui, il y a le chat. C'est Gribouille le chat. Trop mimine. Et voilà, le petit déj est prêt. En plus, comme on a un poêle, là, un feu et tout, on va pouvoir l'allumer. Ça va réchauffer la maison parce que ben il fait frisquette. Aussi, à Brightchester. Il neige pas, mais c'est quand même gelé un peu sur la rivière. Donc, c'est pas terrible. Oh, oh, oh. Sarah, tout va bien? Ah, t'as toute bleue flèche. J'ai l'impression que Bryce, ça va être encore papa. Et le chat, il est trop mime s'il veut. On dirait qu'il veut parler avec elle. Du coup, ça discute. Eh oh, Eddie, tu t'as pas le chat, hein, canin? C'est pas lui taper sur la tête, hein? Oh là là. Un chat sans queue, en plus. Avec des oreilles cassées. Tu parles d'une qualité de chat. Bon, ma pauvre Sarah, tu vas être vraiment la boniche de service aujourd'hui. En plus, sur deux étages, c'est pas évident de faire de s'occuper de ça. Oh là là, et lui, il vient de se chier dessus. Oh, quel enfer. Tu vas me le foutre au bain. Tu vas me le noyer un coup. Parce que ça sera bien, déjà. T'inquiète, la petite Barbara, elle joue. Le chat dort tranquillement. Tout va bien pour l'instant. Ah, ben voilà, Bryce est rentré. Il est visiblement pas très très en forme. Tu vas manger et tu vas te faire une petite sieste parce que t'en as bien besoin. Je pense que tu seras bien avec le feu à côté et tout, ta petite fille pas loin. T'as besoin de te reposer là. Ah, tu nous manges du cassoulet prout-prout, toi? Des haricots, pardon, c'est pas du cassoulet. Et comment était ta journée au travail, Bryce? T'as pas beaucoup monté d'échelon, d'après ce que j'ai vu, hein? Toujours officier de l'armée niveau 1. Pas ouf, hein? Niveau 5 de fitness, niveau 2 de logique. Bon, bah, il faudrait déjà bosser tout ça, hein? Et c'est pas près d'arriver, à mon avis. Dors un petit peu, ça te fera du bien. Allez! On va le faire un peu bosser, le petit merdeux là. Au moins, il apprenne des trucs intéressants. Ça y est, le chat a développé une obsession pour le feu. Bon, j'ai envie de dire, tant qu'il rentre pas dedans. Oh! Oh, j'avais pas vu quel papa de Sarah qui est venu. La petite, elle l'a vu, c'est trop cute, dans tes bras. Oh là là, c'est bien, tu connais ton papy. Bah, de toute façon, on va inviter ta mamie aussi. Pour ton anniversaire, parce que ça va, on va te faire grandir, ma cocotte. Tu verras, on va réunir un peu de famille. Bon, on dira pas que c'est pas vraiment l'époque, hein, l'espèce de truc dorsal, là. Mais pauvre gosse, il a la tête dans les cheveux, il est en train de manger, là. Une bonne tarte poêle. Bon, il y a Lady Bridlton qui arrive maintenant. Ben, venez, venez, hein, tout le monde. Hein, invite à entrer, voilà, parce que, clairement, tu vas... Et lui, il va refaire du... Normal, normal, normal. Ça t'a fait du bien, mon petit Bryce, ta petite siestas. C'est good. Oh là là, il l'autre, il gueule, mais ferme-la. Mais t'es pas fatiguée. Ah, oh, tu me saoules. Oh là là, il me saoule. Ah ouais, tu me l'as posé par terre, c'est très bien. C'est très bien. Attends, attends, attends. Oh là là, le gâteau. Oh là là, le gâteau. Faut surtout pas que le gâteau soit bouffé. Hein. Alors là, on en a besoin. Ce serait trop dommage sinon. Regarde Edward, c'est ton papy. Bonjour papy. Et il y a mamie aussi qui est là. Petite réunion dans les toilettes là. Magnifique. Allez, let's go. On va faire une petite sauterie pour l'anniversaire de la petite. Magnifique. Regardez qui est là. On a invité les nouveaux amoureux aussi. Oh. Super, mon frérot est là. Bah oui. Et salut! Comment ça va les Bridlton ici? Bridlton! C'est rigolo! Comment allez-vous? Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Hein. Oh là 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 là! Attends, mais Sarah, elle peut toujours pas parler à Andrew et Amalia? Oh là là! Ah oh, bah oui, bah non alors! Bah oui, bah non!
Attends, mais Bryce, tu connais ton frère. Attends, parce que là, c'est un truc de fou. Je vais refaire le truc de régence. On peut pas. Alors, on va... Tu vas t'excuser avec Elion, je sais pas ce que t'as fait auprès de ta femme, mais tu vas le faire. Mais je sais plus, j'avais trouvé la dernière fois. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Hop, je te présente mon frère et je te présente sa femme. Alléluia. Regardez-moi ça. Bonsoir. Comment allez-vous, Sarah? Pourtant, ils se sont... Oh, la vache. C'est tout? Oh, tu es truce, mais qu'est-ce qu'il y a, mon droudrou? Oh, bichette. Vous faites pas de dinguerie tous les deux dans le jardin. Ça va être l'anniversaire de Barbara. Happy birthday, Barbie. Elle va devenir une petite fille. Oh, ça va être vraiment plus tranquille. Là, avec le... On n'aura plus qu'un seul baby. Enfin, sans compter sûrement l'autre que Sarah a dans le bide. Et voilà. Et elle sera bon, faculté voilà, sociale. Et premier trait, 1, 2, 3. Voilà, elle aime la nature. Eh ben, c'est top. Elle a l'air très très mimes. Hop, appelez à table, c'est parti. Tire aux toilettes juste après, biche, je t'en prie, je t'en prie. Oh, ils sont des bisous, c'est trop mime. Quoique même la petite, elle peut pas parler à Andrew comme ça facilement, c'est nul. Pourquoi personne veut manger du gâteau, là? C'est une blague ou quoi? Parce que tout le monde a faim, mais personne ne mange. Allez. Allez, tu prends un morceau. C'est bon, ça va bouffer le gâteau ou quoi? Il va être minuit là, les gars. Ça y est. Punaise. Catastrophique un peu. Elle est vraiment toute mimes. Je vois bien la, son père et sa mère, le beau mélange quoi. Ouais, elle est vraiment très mignonne. Je suis en train de me demander où est passé Andrew. Parce que là, je l'ai dit. Ah bah, il est là. J'ai dit Juliette, j'ai Amalia. Je sais pas pourquoi ils sont tous dispersés. Je crois que ça bug encore un peu quoi. Un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bah quand même, tu te mets enfin à manger, Bryce. Il était temps, je veux pas te le cacher. Alors que Sarah va mettre au lit sa petite fille, qui est devenue une grande fille. Voilà, dans cette chambre que j'avais retapée et tout. Voilà, c'est une médaille d'or pour cet anniversaire. Comme ça au moins, c'est tranquille, et la petite dort. Oh là 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 là, il y en a un qui est en train de péter un câble. Allez Bryce, va dormir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai Bergamote du sang génération qui vient? N'importe quoi. Ok. Son père, il a littéralement squatté tout le temps, quoi. Tout le monde est couché, sauf le chat et Sarah. Oui, Minou, mais il va falloir aller faire dodo, bichou, aussi, hein. Gribouille. Mais vous êtes encore là? Mais je pensais que vous étiez parti. Mais ils sont en train de squatter là-bas. Mais Andrew. Plus rien ne va. Hein. Plus rien ne va. C'est pas chez vous ici, putain. Ah, ça y est, ils sont vraiment en train de partir cette fois. C'est tant mieux parce que, bah, notre petite Sarah Bridleton va se coucher. On les retrouvera une prochaine fois, bien sûr, que ce soit dans notre maison principale ou de retour avec eux. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo pour me faire connaître et me soutenir. C'est le meilleur moyen. Je vous fais des bisous. À très bientôt.